qui sait que plus de 50 000 mètres cubes de matériaux ont été retirés de ma plage de dépôt en 25 ans. 50 000 mètres cubes, soit 9 terrains de football recouverts d'un mètre de cailloux et de boue. Qui sait que je suis capable, en une seule fois, de produire une lave torrentielle de 50 000 mètres cubes ? Qui me connaît, finalement, à part cette poignée d'hommes qui m'ausculte et me corrige depuis tant d'années, avec l'espoir fou de pouvoir me dompter ? Je suis le torrent du Manival. Je suis le mauvais torrent. Et vous ne me craignez pas parce que vous ne me connaissez pas. Manival, hein, un peu un fonctionnement d'oued, hein, comme on trouve dans certaines parties d'Afrique. Hein. C'est un torrent qui, on va dire, 90% du temps ne connaît pas du tout d'écoulement. Et pour que des écoulements puissent s'observer, se développer dans le lit, il faut qu'il y ait des précipitations qui soient d'un certain niveau d'intensité. Il y a très peu de gens, je pense, qui sont conscients, notamment sur le cône des élections du Manival, que tous les travaux qui sont faits là les protègent. Alors, ils connaissent la plage de dépôt pour pas mal d'entre eux, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément connaissance de toute l'histoire et de ce qui continue à se faire dans ces branches-là et d'entretien de ces ouvrages, quoi. Et le cône des élections du Manival, c'est quelques milliers de personnes, quand même, qui sont concernées parce qu'il a été fait depuis 150 ans, quoi. Qui leur aurait pas permis d'habiter là, d'ailleurs, si ça n'avait pas été fait. L'histoire du Manival commence il y a quelques dizaines de milliers d'années au nord de la future ville de Grenoble, sur le flanc est du massif de la Chartreuse. Crue après crue, le Manival a déposé les matériaux issus de ses versants à son débouché dans la vallée, là où sa pente s'affaiblit. Les laves torrentielles s'étalaient, passaient à côté la fois suivante, puis l'une par-dessus l'autre, et cela pendant des milliers d'années. Cette activité torrentielle acharnée lui a permis de former un cône de déjection d'une pente et d'une étendue remarquable, connu aujourd'hui pour être l'un des plus grands des Alpes françaises. Le Manival a depuis pris de l'âge, mais il n'a pas trop changé finalement. Toujours cette vieille habitude de rejeter des matériaux dans la vallée. Sa partie haute, qu'on appelle bassin de réception, est aujourd'hui encore l'objet d'une érosion intense. Les calcaires marneux et les marnes qui le constituent se désagrègent sous l'effet du froid, du vent et de la pluie. Et il faut bien l'admettre, malgré sa superbe et fière allure, il est un peu pourri, le Manival. Voilà le genre de matériau qui descend sur le Manival, si j'arrive à en le prendre. Voilà. Les marneaux calcaires, c'est des couches de marne avec des couches de calcaire, donc ça part en morceaux. Voilà. Ça, c'est toute la falaise qui est comme ça. Donc ça tombe d'autant plus facilement et ça alimente en permanence le fond du lit. Et après, ça part en là. Ça a l'air rocheux, puis en fait, c'est des anciennes couches de marne, hein, qui ne sont pas consolidées et qui partent en miettes, quoi. Même ça, par exemple. Ah, tiens. Ça part en morceaux. Le problème du Manival, c'est donc cette quantité phénoménale de matériaux qui tombent des falaises et qui s'accumulent en pieds de versant. Les cônes d'éboulis ainsi créés constituent des stocks de matériaux mobilisables qui attendent juste le prochain orage pour dévaler les pentes. Le Manival fait ainsi partie de la grande famille des torrents à clapes, qui veut dire « caillou » en patois. Ce type de torrent est capable de produire des laves torrentielles, un mélange boueux particulièrement dangereux qui contient plus de matériaux que d'eau. Les laves torrentielles, elles, on passe déjà sur des concentrations qui sont de 50 à 80%. Donc ce sont essentiellement des matériaux, hein, et très très peu d'eau. Voilà. Donc c'est pour ça que sur les torrents, c'est fondamental d'avoir une idée assez juste, enfin, ou la plus juste possible, de la quantité de sédiments mobilisables, parce que c'est ce potentiel-là qui va déterminer la dangerosité du torrent, qui va déterminer l'intensité des phénomènes de crues torrentielles, mais aussi l'intensité des laves torrentielles qui peuvent se déclencher
et se propager jusque dans la zone à enjeu qui est située à l'exutoire du bassin versant en général. Les laves torrentielles se déplacent par bouffées homogènes, plus ou moins rapidement, à la manière de la lave d'un volcan. C'est la forte proportion d'argile présente dans les coulées qui leur donne leur homogénéité et leur cohérence. Sur un même épisode de crue, il est possible d'observer 3, 5 ou même 10 bouffées de lave torrentielle. Et puis parfois, il n'y en a qu'une seule. Tout dépend de la quantité de matériaux mobilisables, de la durée et de l'intensité de l'épisode pluvieux. Quand toutes les conditions ne sont pas réunies pour le déclenchement d'une lave, le manival peut malgré tout déplacer des quantités considérables de matériaux par un phénomène qu'on appelle le charriage. L'écoulement n'est plus homogène. Les matériaux transportés sont plus petits et roulent dans le fond du lit. Lave torrentielle et charriage cohabitent le plus souvent dans un même torrent, comme c'est le cas dans le manival. Mais il existe aussi des torrents dont les crues n'interviennent que par charriage, et d'autres qui ne produisent que des laves torrentielles. Pour s'en protéger, il est donc indispensable de savoir à quel type de phénomène de transport solide on a affaire. Ce diagnostic passe par une analyse de terrain fine qui permet de repérer et d'analyser les différentes traces laissées par le torrent. Christophe Peteuil, ingénieur hydraulicien au service de restauration des terrains en montagne de l'Isère, nous emmène dans le lit du manival à la recherche de ces traces. Donc là, on arrive dans une partie très intéressante du chenal d'écoulement, hein, où cohabitent des dépôts qui sont issus de phénomènes très différents. Hein. Dans la partie centrale qu'on voit ici, des dépôts amenés par des écoulements plutôt avec charriage, et sur le côté, ici, des dépôts grossiers amenés par des coulées de lave torrentielle. Alors ce qu'on voit sur les dépôts de charriage, hein, ce sont des matériaux relativement fins, assez peu cohésifs. Hein. On voit que quand on marche dessus comme ça, bah, ils ont tendance à partir sous nos pieds. Et on distingue en surface un tri granulométrique avec un fuseau granulométrique relativement resserré. On a des petits et des un petit peu moins petits. Si on regarde les autres dépôts donc, qui sont ici, hein, bah déjà on voit qu'on a des blocs beaucoup plus importants. Hein, ici, des blocs qui font quasiment 50 cm, hein, donc qui correspondent probablement au dépôt du front de la coulée quand elle est passée. Et puis les dépôts proprement dit, bah, on voit qu'ils sont beaucoup plus hétérogènes, avec toujours des très gros blocs, mais également des blocs beaucoup plus petits, voire même des argiles ici, qui constituent donc le corps de la coulée. Ces dépôts, en se ressuyant, hein, quelques jours après la crue, bah, deviennent beaucoup plus cohésifs. Hein. Là, on voit typiquement ces dépôts-là, on peut marcher dessus, ils n'ont pas tendance à partir sous nos pieds. Donc ça, c'est un petit peu les traces typiques laissées par le charriage d'un côté, les laves torrentielles de l'autre. J'ai l'air sauvage comme ça, c'est vrai. Je viens d'ailleurs de remplir une partie de ma plage de dépôt. C'était en juin 2010. Mes ravines ont aussi fait parler d'elles en recouvrant la route forestière de belles petites laves. Avant cela, il y avait eu juillet 2008. Puis avant encore, 2005, 1998, 1995, 1991, 1990 et bien d'autres fois encore. J'ai l'air sauvage comme ça, c'est vrai. Mais il n'en est rien. 150 ans de correction torrentielle ont eu raison de moi. Suivez-moi, je vais vous raconter tout cela. Il faut remonter vers la fin du 18e siècle. J'avais alors une totale liberté. Je divaguais sur mon cône, je changeais de lit, j'envahissais les champs et les vignes de Saint-Imier et Saint-Nazaire-les-Aime. Et, une fois de temps en temps, je m'attaquais à la route de Grenoble à Chambéry. À cette époque, la grande rivière Isère n'était pas endiguée,
et la plaine était totalement insalubre. Elle n'avait pas fière allure, elle, avec ses marécages, ses moustiques et ses maladies. Alors vous pensez, un cône comme le mien, légèrement surélevé et bien ensoleillé, c'était presque la panacée. D'autant que mes terres étaient fertiles. Certes, un peu moins dans les parties hautes de mon cône, un peu plus caillouteuses, mais quand même, la vigne y poussait bien. Les habitants du coin se rapprochaient donc de moi. Pas fous, ils se sont d'abord installés dans les zones les plus sûres, comme les moraines, mon vieux cône, et sur des rides longitudinales, initialement à l'abri de mes colères. Et puis, petit à petit, ils sont venus me chatouiller d'un peu plus près, et vice-versa d'ailleurs. Vos archives témoignent de la lutte qui s'est alors engagée pour contrer mes divagations. Dès 1785, des documents précisent les travaux à faire pour protéger la route de Grenoble à Chambéry. En 1808, un rapport du conducteur des ponts et chaussées témoigne de mes humeurs passagères. Le 29 juillet 1808, à la suite d'un orage extraordinaire, les eaux du torrent de Manival s'étant accrues considérablement, il est résulté qu'il s'est ouvert un nouveau lit sur les propriétés de la commune de Saint-Nazaire. Le voisinage d'un torrent aussi destructeur, abandonné à lui-même et qui n'est plus retenu par aucun obstacle ni empêchement suffisant, a droit d'inquiéter les communes désignées plus haut. Elles sollicitent de nouvelles réparations. Le 10 mai 1831, mes relations avec les habitants de Saint-Imier se sont nettement dégradées. Il faut dire que j'y ai été un peu fort ce jour-là. Le torrent de Manival a quitté brusquement son lit et s'est répandu dans les champs qui bordent son cours. Les eaux, après avoir déposé la vase et les grosses pierres qu'elle charriait dans les rez-de-chaussée de plusieurs maisons, ainsi que dans les champs cultivés, se sont rendues dans le ruisseau de Saint-Imier par les fossés de la route royale. Mais ce n'est pas tout Manival. En 1835, c'est encore une fois la route de Grenoble à Chambéry qui est touchée. En 1836, plusieurs habitations au Varcio sont inondées et engravées. Le bétail est tué et la route impraticable pendant 4 jours. Non, Manival, c'était trop. Vraiment trop. La commune de Saint-Imier, avec l'aide de l'État, construit en 1831 une digue de 285 mètres de long et 2,30 mètres de hauteur. Elle sera prolongée en 1862 sur plus de 400 mètres. La même année, un premier projet de construction de plusieurs dizaines de barrages de correction torrentielle voit le jour. Messieurs les ingénieurs proposent de remédier à cet état de choses par l'emploi d'un système de travaux consistant dans l'établissement de petits barrages transversaux échelonnés et affectant une forme suffisamment concave pour contenir le volume d'eau débité. Par ce moyen, en évitant le ravinement du fond, on arrête aussi les éboulements latéraux, le départ et le transport de gravier, et l'on provoque le gazonnement des talus qui s'opère de lui-même et sans aucun travail. Ces résultats, une fois obtenus, le torrent se trouve éteint et à très peu de frais, car chaque barrage formé avec les plus gros blocs que l'on rencontre dans le torrent même ne coûte que 160 à 170 francs. Ce n'était que les prémices d'une longue transformation, Manival. Car tu le sais, quelques décennies plus tard, la loi sur la restauration et la conservation des terrains en montagne va être l'occasion d'engager des chantiers colossaux pour te corriger et te dompter.